Salut à tous, c'est Tiki. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Stretchers, un jeu indépendant édité par Nintendo et développé par Tarsier Studio. C'est un jeu que personne n'attendait, car aucune annonce n'avait été faite avant sa sortie, et pourtant le voilà qui débarque sur l'eShop Nintendo, déjà disponible au prix de 19€. On va voir ensemble en quoi ça consiste. Dans The Stretchers, on incarne un duo de secouristes qui vont devoir sauver des civils blessés, qui sont appelés les tournicotés. La personnalisation des deux personnages est assez limitée, on choisit le sexe et la couleur des cheveux et c'est tout, mais on pourra modifier leur apparence plus tard grâce à des objets qu'on récoltera tout au long du jeu. Un petit tutoriel nous explique les bases du gameplay qui est clairement pensé pour la coopération entre deux joueurs. Même s'il est possible d'y jouer uniquement en solo, ça sera quand même un petit peu plus fastidieux tout seul puisque vous devrez contrôler les deux personnages à la fois. Très vite, on reçoit notre premier appel à l'aide, il faut prendre l'ambulance pour se rendre sur les lieux. Une carte nous permet de nous repérer sur l'île dans laquelle on est libre de se balader puisqu'il s'agit d'un monde entièrement ouvert. La conduite est assez loufoque, on peut défoncer les panneaux, détruire les murs, rouler à contresens, rouler à travers les champs, bref on fait vraiment ce qu'on veut à ce niveau-là, et c'est un des points les plus sympas du jeu. D'autant plus qu'on récupérera des améliorations pour l'ambulance durant certaines missions qui permettront de prendre de nouveaux passages, dans les airs ou dans les mers. Une fois arrivé sur place, il faut trouver tous les blessés et les ramener à l'ambulance avec le brancard ou en les portant. Certains sont trop lourds et doivent obligatoirement être emportés à deux. À ce niveau, j'ai pu remarquer quelques bugs pour attraper les tournicotés qui sont rentrés en collision avec des éléments du décor. Même problème avec des objets qu'on ne peut pas attraper car ils sont coincés. Bon, on rage 2 minutes et puis ça passe. Sur chaque lieu, il y aura des petites énigmes à résoudre. Il faudra bien se coordonner avec votre équipier pour aller le plus rapidement possible, tout en évitant les dangers potentiels. L'intervention est chronométrée. Il faudra se dépêcher de ramener tout le monde jusqu'à l'hôpital pour qu'il soit soigné, tout en accumulant un maximum de points qui s'obtiennent à la fois pendant la conduite et à la fois sur le lieu de l'intervention en effectuant des actions plus ou moins utiles, du style entasser un maximum de personnes sur le brancard, effrayer les mouettes, rouler dans les champs de blé, etc. Divers hauts faits sont également à valider et la trace de vos exploits se trouve dans l'album à autocollants. À part les missions de sauvetage, on trouve également des missions secondaires qui consisteront à aider une personne à effectuer différentes tâches. Par exemple, on va l'aider à couper du bois ou à faire exploser des rochers. Les actions sont parfois un peu répétitives. Le jeu se jouera idéalement par petites sessions pour ne pas trop s'enlacer. Visuellement, le jeu est plutôt plaisant, il est très coloré. Bon, les textures ne sont pas toujours folles, mais l'ensemble reste très correct. Au final, The Stretchers est un jeu d'action-réflexion bien sympathique, idéal pour jouer à deux. Il propose un univers coloré et plein d'humour qui vaut le coup d'œil. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !